Cher toi, cher toi, cher toi, 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 toi. Oui, même toi, la chemise avec des nuages. T'inquiète pas, ce soir, on est multiculturalism. Chers tous, bonsoir. Je me présente, Vaniwaro, mère de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Je sais, je suis bien conservée. Le premier est né le 8 février 1873. Il s'appelle Blanco. Mon petit préféré est né le 29 octobre 1989, le petit Nicolo. La plus courageuse de tous est née un 4 février 1950, ma chère Dame Lamotte. J'ai eu aussi des jumeaux en 2007, le 8 février aussi. Arcelor est le sacré garde-dieu. Vous l'aurez compris, je suis la mère du droit administratif. Ouais. De ce fait, les autres petits-enfants de la cour en sont jaloux. Prenons l'exemple des contrats spéciaux qui auraient voulu être spéciaux à mes yeux, mais cela n'a pas marché. C'est ainsi qu'ils ont décidé de monter un complot contre moi. Ce complot s'est matérialisé à travers l'acte de ma chère chargée de TD, qui a décidé de ramasser une seule copie et de manière aléatoire. La première semaine, j'ai peur d'être ramassée, mais bon, j'ai travaillé, si elle ramasse, tant pis. La deuxième semaine, j'ai envie d'être ramassée, je prends une place, je m'assois devant elle, yeux dans les yeux, cheveux dans les cheveux, pieds dans les pieds, et je participe chaque minute. Résultat des courses, elle ramasse ceux qui n'ont pas participé. Troisième semaine, je me suis dit, bon Vanny, tu te tais, tu te fais toute petite. Elle ramasse ceux qui ont participé. Quatrième semaine, j'en ai marre, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, bon, tu te mets dans un coin, tu fais moitié-moitié. Et là, elle décide de ramasser tous les étudiants restants, sauf quatre personnes. Dont moi. Principe d'égalité, connais pas, madame droit privé. Je me suis posée un instant et mon moi intérieur m'a dit, mais Vanny, n'es-tu pas une killeuse? N'es-tu pas une juriste comme jamais? Quel malheur! Quel crime ai-je commis pour subir tout cela? Et là, je me suis réveillée et j'ai regardé mes camarades qui avaient les yeux rouges écarlates et je leur ai dit, don't panic my friend, on va tout niquer. Ok, 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 je me calme. Je suis une miss, ça ne dit pas de gros mots. Et par-dessus tout, je suis une bonne chrétienne. Mais Vaniwaro, cher passionné de droit public, nous sommes dans un état laïque, mais quel gros mot! Bon, je crois que j'ai dépassé les minutes, alors je vais conclure. Être juriste comme jamais, c'est quoi? C'est ne pas avoir peur des obstacles, c'est se réveiller face aux difficultés et monter pour réussir. Voilà toute cette histoire pour vous dire comment je suis passée de mère du droit administratif à juriste comme jamais. Et ouais, faut pas me chercher moi.